voilà le travail. Le masque anti-postillon est réalisé. Il est très léger à porter et très pratique. Mais je ne me suis pas présentée. Carole, animatrice du service jeunesse de Gonfreville-l'Orcher. D'habitude, on se retrouve toujours sur des chantiers participatifs, des fresques à réaliser, sur les kiosques, les arrêts de bus, les écoles maternelles ou même les murs d'immeubles. Là, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut rester confiné. Mais très bientôt, je vais vous proposer des ateliers simples et efficaces pour dessiner, imaginer avec le matériel que vous avez chez vous sur Discord. Rejoignez-moi. À très vite. Le prochain atelier, ce sera des masques en tissu. À très vite.